stumble by the teeth. Ah, Fury, tu vas de malheur. Oh oui, comme si, comme ça, mais j'ai une faim de l'eau. Ouf. La table est vide, il n'a pas pris plus que toi. Franco? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que c'est? Oh, du riz avec... Je t'ai demandé de me faire du ndolé avec des ignames. Franco, du ndolé. Le ndolé, c'est une feuille verte qu'on lave. C'est amer en fait. On lave, après on mélange avec les arachides et ça donne ce que ça donne. Franco, le ndolé, tu sais ce que c'est? Mais bébé, tu peux manger. Je ne veux pas goûter à ça. Je t'ai demandé du ndolé avec des ignames. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que tu fais? Je veux manger. Oh. Donc comme ça, tu veux qu'on mange comme un couple normal, c'est ça? Franco. Je n'ai pas encore oublié toutes tes tromperies avec tes femmes. Allez, dis-moi. Ça te rappelle laquelle de tes conquêtes en train de manger sur cette table avec toi pendant que moi j'étais dehors à me tuer au travail pour nous? Mais Brenda, je t'ai demandé de m'excuser à plusieurs reprises. Et ce n'est pas en me rappelant des choses qui sont passées que les choses vont changer. Chérie, je suis désolé. Ça ne change rien dans ma pensée. Pas une fois, mais plusieurs fois dans notre maison. Et tu voudrais que moi j'oublie tout juste parce que depuis 2 jours tu es gentil avec moi? Oh non. Et puis, tu es peut-être en train de me préparer un coup encore plus dur que le précédent. Mais chérie... Il n'y a pas de chérie qui tienne. Franco, sors de ma table. Pardon? Allez. Et plus vite que ça. En plus, c'est bon. Allô, Akamba, bonjour. Comment tu vas? Mais tu n'es plus arrivé hier comme tu me l'avais dit au téléphone. Pardon? Comment ça tu ne viendras plus sur Douala? Mais je t'ai pourtant envoyé l'argent de transport dernièrement, non? Allô, Akamba? Allô? Allô? Emma est raccrochée au nez. C'est ça, tu as aperçu l'agent de transport. Et maintenant, tu me laisses face à Maman Choco toute seule. Ta sœur, elle ne mange pas aujourd'hui. Maman, chacune a ses problèmes dans cette maison. Ma sœur gère les siennes. Je ne sais pas. Depuis que votre papa est décédé, je me bats pour que vous ne manquiez de rien. Mais vous vous comportez comme des gamines. Vous pensez que je vais vivre avec vos caprices là? Toi, ton problème, c'est quoi? Mon téléphone. Quoi? Mon téléphone. Oublie ça. Mon téléphone. Tu ne sais rien faire de tes 10 doigts. Attache ta boule là quand ça n'a pas collé le mur. Ah.
Je dois voir M. Ndjamin demain matin. Il faut qu'il corrige mon rapport. Moi, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas encore quel habit je vais mettre pour la soutenance. Nina, toi avec les inutilités. Au lieu de te soucier de ton travail, tu te soucies plutôt de l'habit que tu vas mettre. Il faut bien que je m'habille ce jour, non? Les gens viendront pour moi et il faudrait que je sois présentable. C'est quand même un jour important pour nous que nous... C'est quand même... Un instant, s'il te plaît. C'est qui? Justine, maman dit que le repas est servi. Je n'ai pas faim. Tu disais? Injaville Music. Allô, grand frère. Oui, mon crédit de communication m'a lâché là tout à l'heure. Raison pour laquelle la conversation s'est coupée. Oui, il se fait tard et je ne pouvais pas aller sortir pour aller charger. D'accord. On se prend demain matin, non? Ok. Tu m'embrasses tout le monde là-bas. Bonjour, chérie. C'est l'histoire par rapport à ma collègue, ça ne m'intéresse pas. Peut-être, mais je t'ai quand même menti. Comme toujours, tu as toujours eu à le faire. Comme là maintenant, qu'est-ce qui me prouve que tu es en train de dire la vérité? Tu es toujours en train de mentir. Écoute chérie, j'ai vraiment honte de ce que j'ai fait. Si j'avais la possibilité de recommencer, je te jure que je le ferais pas. S'il te plaît, Roger, il est 9h du matin. Et là, je suis là presque en retard. Le temps pour moi de traverser toute la ville avec les embouteillages sera en retard. Donc, s'il te plaît, de grâce, laisse-moi aller au travail. Like you lost another one.